Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Les amis, je vais faire le compte-rendu de mes achats hein, par rapport au vlog hein, que je vous ai présenté. Je vais le faire en deux parties, hein, puisque j'ai... peu de mémoire sur ma mini carte SD de mon téléphone, et puis pour aussi ça prend moins d'espace au niveau de la mémoire du même téléphone. Et cela dit, eh bien j'ai fait une bonne chasse aux DVD, Blu-ray et jeux vidéo, ainsi que objet collector. Alors, je vais commencer par Cultura. Précision très importante. Ce n'a pas été facile du tout de faire ce que j'ai fait. Moi, je peux vous le dire. Je mets quiconque au défi de le faire. Normalement, eh bien, je n'ai pas le droit de faire ce que j'ai fait. C'est très compliqué parce que, eh bien, le souci, le premier souci, eh bien, c'est de qu'il n'y ait personne dans le champ de vision. Ça a été vraiment un casse-tête et je suis fier d'avoir réussi, les amis. Pour mon plus grand plaisir. Avant tout, et bien sûr, après, eh bien pour le vôtre, je l'espère. Alors, il y a des anecdotes hein, que je vais vous dire. Donc, je vais commencer par Cultura. Quand je suis rentré, il y avait une femme vigile qui faisait des allers-retours dans les rayons. Alors, je me suis senti un instant dans la peau de... Solid Snake hein, de la saga culte Metal Gear Solid. Ne pas me faire opérer. Snake. Hein, total paradoxe. Pour ceux qui hein, et celles qui ils savent de quoi je parle, hein. C'est un jeu d'infiltration, alors oui, je me suis senti vraiment en plein dedans. Alors, j'ai pu filmer eh bien, ce que vous avez vu hein, dans les rayons de Cultura. Et bon, alors, un retour sur eh bien là-dessus. J'étais vraiment très hésitant, c'est vrai, sur. Donc c'était le film d'ailleurs qui était en compétition officielle et dont j'en parle dans mon émission. Hein, je vous rapporte l'émission spéciale du Festival de films fantastiques de Gérardmer 2021, à savoir donc eh bien c'était le film Spoutnik. Et le Blu-ray, ben c'est vrai que c'était très tentant, mais pour 19,99€ seulement, juste le film en Blu-ray, non. Donc je verrai plus tard trouver éventuellement en téléchargement. Mais c'est juste le film, quoi. Il y aurait eu des bonus intéressants. Oui, je pense que je l'aurais pris. Mais quand même. Pour presque 20€ le Blu-ray, non. Et après, bon, donc je n'ai pas pu filmer. C'était ils ont quand même un rayon assez fourni de goodies, hein, objets collector divers et variés. Et là, ouais, joli mug Wonder Woman. Ma super-héroïne préférée,
et adoré Diana Prince de son Diana Price de son nom dans le film. Ouais, il est superbe. Et je l'ai eu pour pas cher, 9,99€. Voilà, vraiment superbe mug. Elle est magnifique. Avec derrière hein, le logo. Un socle parfait pour pouvoir mettre ma figurine de Wonder Woman. Ça lui va parfaitement. Je préfère dans ce sens-là. C'est mieux. Voilà, hop, magnifique figurine. J'en parle hein, sur ma chaîne. Hein. C'était il y a quelques années, je ne me rappelle plus quand. Bon, vous fouillez hein, sur ma chaîne. Et, voilà, vraiment parfait. Je suis vraiment très content de l'avoir trouvé. Et c'était le seul mug en rayon. Il ne fallait pas hésiter une seconde. Toc. Je la mets là, de côté. Vraiment, je suis vraiment très content. Par exemple, du film, hein, 1884. Malheureusement que je n'ai pas pu aller voir au cinéma qui était prévu hein, sortir au mois de juin 2020. Alors bon, il faut me résoudre à la sortie qui est prévue pour le Blu-ray. Hein. Bon, j'espère qu'il y aura une édition collector, j'espère. Pour début avril, il me semble. Wonder Woman. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Donc pour Cultura, c'est tout. Après, je suis allé chez Leclerc. Chez Leclerc, ben Leclerc, c'est nul, hein. Il n'y a rien. Et en plus, c'est cher. Ouf. Hein, comme vous avez pu voir. Hein. Oh, bonsoir. Presque 25€ un DVD Blu-ray. Comme pas déconner, non. Après. Bon, je vous fais dans le désordre, hein, dans les lieux où je suis allé. De mémoire, après, Easy Cash, ben, c'est là où j'ai fait le plus d'achats, d'ailleurs. Des superbes acquisitions. Je suis bien content. Et voilà, hein, je vais vous montrer les Blu-ray. Ça, c'est bon. Les Blu-ray, hop. Et après, les jeux vidéo que je ne mélange pas avec les autres magasins. Voilà. Ça, c'est Easy Cash. Ouais. Voilà. Alors, un jeu PS1. Je suis méga content de l'avoir trouvé. Pour 29,99€. Et mais c'est un jeu qui est hyper rare. Et en plus, il est en excellent état. Comme neuf. Vraiment, c'est méga rare de trouver un jeu comme ça en aussi bon état. Aucune cassure. Dino Crisis. Numéro 1, parce qu'il y en a eu deux. Hein. Je suis méga, mais méga content. J'avais jamais trouvé en 21 ans que je suis. La dernière fois que. Oui, c'est en. Il y a 21 ans, puisque c'est un jeu de 1999. Alors, pour l'histoire, je l'avais. Pour mon histoire, je l'avais loué.
dans un magasin, un des magasins à l'époque où j'habitais en Irlande, à Dublin. Je sais pas si c'était Extra V, la chaîne de magasins donc de location de jeux, DVD jeux vidéo. C'était Extra Vision ou ça devait être Blockbusters. Et on pouvait louer voilà, des jeux vidéo, ce qui était interdit en France. Et je suis vraiment hyper content parce que il est comme neuf, quoi. C'est génial. Complet avec notice. Dino Crisis. Pour moi, c'est une pépite, hein, ce jeu. C'est dans la lignée du survival horror de Resident Evil, Silent Hill. Voilà. Et superbe en français, vraiment. La personne qui avait ce jeu était vraiment hyper précautionneuse, puisque c'est un jeu qui a 22 ans. 23 ans, même presque 23 ans, imaginez, 199, 23 ans, non, 22 ans, 23 ans, ouais, 23 ans, oui, je ne me trompe pas, c'est un pur bonheur, quoi, voilà, Dino Crisis, j'aime bien sentir les objets, bon. Je risque rien, c'est un notice, hein. Elle est comme neuve à l'intérieur. C'est vraiment un jeu que je vous recommande sciemment. En plus, il y a la mise en garde que copier, ben, c'est tuer. Et oui, parce que bon. C'est un jeu en émulation. Bon, faut avoir un émulateur. Hein. C'est qu'un jeu qu'on peut trouver en émulation. Mais bon, moi, je suis formellement contre, bien sûr. Dino Crisis, superbe jeu. C'est un chef-d'œuvre, tout comme les Resident Evil. Alors pour 29,99€, aucune hésitation. Hop. Après. Donc c'est un jeu PS1, hein, je rappelle. Également en excellent état, comme neuf, un jeu Xbox 360. Alors c'est Street Fighter versus Tekken. Un jeu que je ne connaissais pas. Pour 9,99€ en occasion. Aucune hésitation, pareillement. Bon, je vous laisse voir hein, ce qui est marqué. Complet avec notice. Bon, fond sonore, je vous ai mis sur ma télé un musique d'Halloween 2020. Alors, je vous montre un notice. Pareil, en français. Hein. Excellent état. C'est méga. Enfin, pour moi, en tant que pur collectionneur, je prétends l'être. Et je le suis. C'est hyper méga important. Les notices qui n'existent plus sur les consoles nouvelle génération. Hein. PS4, PS5, Xbox et Xbox One. C'est bien malheureux parce que ça a vraiment un charme, les notices. En plus, bon, de vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le jeu, c'est pour moi méga hyper important. J'insiste vraiment là-dessus. Hein. Et vraiment, un état comme neuf, j'ai fait une super découverte là, hein, chez EasyCash. Bon, je ne sais pas ce que vaut le jeu. Mais moi, comme moi, je suis fan de jeux de baston, de Tekken et de Street Fighter. En plus, alors, pour l'anecdote, j'avais vu tourner sur une télévision
Et bah voilà, c'est ça m'a l'air bien fun. Alors miam miam. Donc là c'est les jeux vidéo de que je mélange pas. Donc je vais le mettre là. De Easy Cash. Voilà. Pas tomber. Pas que ça tombe. J'ai trop peur que ça tombe. Hein. Je vais le mettre ailleurs. Je vais le remettre en dessous. Voilà. Hop. Vraiment, pas que ça tombe. En Blu-ray. Chez toujours. Hein, au même magasin. Alors, il était à 50% de réduction. Donc, il était à 12,99 €. Faites le calcul. C'est le film The Strangers. Et donc, c'est par les producteurs de The Ring and the Grudge, avec dans les rôles principaux une de mes chouchoutes d'actrice, Liv Tyler, et l'acteur qui joue également dans la saga Underworld, Scott Speedman. Voilà. Tac. Le disque. Bon, l'histoire, c'est celle de Kirsten, qui est de retour d'un mariage, et de James, qui retourne dans leur maison de vacances. Je vais mettre un peu moins fort, qu'on puisse quand même m'entendre. Et au beau milieu de la nuit, on frappe à leur porte et très vite ils réalisent que des étrangers masqués rôdent autour de chez eux. Leur cauchemar ne fait que commencer. Alors, c'est un film pour l'anecdote que j'avais acheté en DVD. Et j'avais assez bien aimé. D'ailleurs, je pense que je ferai la critique de ce film, puisque ça fait aussi longtemps que je n'en ai pas fait de critique. Et j'avais assez bien aimé. Et j'adore Liv Tyler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais acheté le film, le DVD. Vraiment, au niveau de l'horreur, bah, c'est un slasher, donc c'est le sous-genre de film de genre, c'est du home invasion, c'est pas qu'un slasher, c'est un genre particulier des films d'horreur, bah, que j'aime beaucoup, que vraiment que j'adore ce genre. Et ouais. Il vaut quand même la peine d'être vu. Et je vous le conseille. Il est pas mal. Donc je vais avoir un plaisir de le redécouvrir en support Blu-ray avec quelques bonus. Voilà. The Strangers, il est pas mal parce que j'ai déjà vu. Hein. Je lui donne la note de. Donc, je m'en rappelle 13 sur 20. J'avais été déçu par la fin. Mais bon, je vous le conseille quand même. Hein. Hop! Donc, ce sera une critique. Ouais, je pense que je la ferai. Un Blu-ray pour finir avec eh bien, mes achats de Easy Cash. Et je vais finir cette deuxième partie donc, pour aujourd'hui. Le premier vendredi 13. Voilà. Alors, il y a une similitude enfin, au niveau de la présentation. Il ne faut pas confondre avec le remake du même film hein, qui était sorti en 2010, si je ne me trompe pas, de Marcus Nispel, que j'avais bien aimé d'ailleurs. Même si bon, il était vraiment perfectible au niveau du film. Et là, c'est vraiment le tout premier vendredi 13.
Il n'y a pas de Jason dedans, je le rappelle. Hein. Voilà. Avec eh bien, des bonus, comme vous pouvez le voir ici. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment le voir parce que ça m'a l'air d'être inversé. Ah, moi, je le vois au niveau. Oui, c'est inversé. Donc je vais faire un retour sur The Strangers. Donc, je pense que si. Je ne sais pas si vous voyez que si c'est inversé ou pas. Bon, en fait. Donc pour revenir au niveau des bonus, vous avez sur The Strangers numéro 1, vous avez le making-of, scène coupée et bande-annonce. Voilà, c'est tout. Donc, je reviens sur voilà, vendredi 13. Voilà. Et nous avons donc le film. Bon, alors de quoi le scénario, hein, c'est eh bien, bienvenue hein, au camp de Crystal Lake, un endroit que les jeunes gens du coin croient maudit. Sous un clair de lune romantique, c'est l'endroit parfait pour un psychopathe qui veut tuer des jeunes moniteurs et monitrices amoureux un par un. Voilà, donc qui ne connaît pas ce film, pour ceux qui s'intéressent au film de genre. Pour moi, c'est pas de loin, pour moi, c'est pas le meilleur de la saga, mais il est indispensable, bien sûr. Alors. Donc, il est en pochette cartonnée. Hein, bon. C'est un détail, vous me direz, mais bon. C'est toujours un petit plus. Hein, surtout pour, concernant le support Blu-ray. Donc en occasion, alors, tout ce que j'ai acheté, hein, à part bien sûr le mug de Wonder Woman. C'est de l'occasion, hein. Alors pour 4,90€. À l'intérieur, hop. Bon, rien de particulier au niveau de la sérigraphie. Hein. Ça reprend juste le haut, hein. Voilà, ici. Du Blu-ray, hop. Voilà. En excellent état. Alors, en bonus, je vais vous le dire, parce qu'il me semble bien quand même que c'est inversé par rapport à l'écran. On a les commentaires du réalisateur Sean S. Cunningham. Un court-métrage, retour à Crystal Lake, le tournage du film. Donc, c'est un documentaire. Réunion de vendredi 13, les membres du casting de Betsy Palmer et Adrienne King. Le scénariste Victor Miller et le compositeur Harry Manfredini. Hop. Problème de lecture. Je suis obligé de prendre ma loupe pour bien voir parce qu'en fait j'ai de la difficulté à lire sur fond noir. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est bien le compositeur Harry Manfredini et qui se réunissent, voilà, lors d'une convention de films d'horreur. Hein. Vous avez des scènes supplémentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le réalisateur Sean S. Cunningham. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est une interview ou un documentaire sur lui. Des scènes inédites, encore, première partie, les chroniques de vendredi 13, des secrets de tournage et la bande-annonce originale. Donc vraiment, une chouette édition Blu-ray. Voilà les amis, donc c'est la fin de la deuxième partie. Je ferai la suite. Je ne sais pas si je ferai une troisième ou une quatrième partie, parce que j'ai pas mal de choses
à vous dire, à vous montrer. Alors, à suivre. Merci pour votre attention et je vous donne donc rendez-vous pour la suite. C'était Fred. À bientôt.